Schumacher fait un arrêt. Parmi les pilotes de tête, c'est le premier à faire son arrêt. Cela signifie qu'il avait embarqué peu de carburant pendant les qualifications. C'est le septième tour. Fisichella occupe la première place. Kimi Raikkonen le suit à 6 secondes. Button est troisième. Il se laisse distancer. Quatrième, Alonso. Barrichello est cinquième. Trulli, sixième. Jacques Villeneuve occupe la septième place. À la huitième et dernière place dans les points après son premier arrêt, Michael Schumacher. Depuis notre cabine, nous pouvons suivre le travail de préparation des mécaniciens de chez Ferrari. Ils doivent se préparer à recevoir Rubens Barrichello. Les mécaniciens s'affairent dans les stands Renault. J'ai l'impression qu'ils vont faire rentrer un de leurs pilotes pendant ce tour. Tu rentres au prochain tour. Arrêt prévu au prochain tour. Alonso passe par les stands. Il effectue son premier arrêt au tour numéro 7. Barrichello entre dans les stands. On dirait que le stand McLaren est en pleine effervescence. Kimi Raikkonen va passer par les stands dans ce tour. On dirait bien que les mécaniciens se tiennent prêts pour un arrêt chez Barr. Ça doit être pour Jenson Button. Les mécaniciens de chez Sauber sont sortis. Ils attendent une de leurs voitures. J'aperçois les mécaniciens de chez Williams s'agiter dans les stands. Ils vont sûrement faire rentrer une de leurs voitures pendant le tour. Tu rentres pendant ce tour. L'équipe t'attend pendant ce tour. Ça bouge du côté du stand Toyota. Ça doit être pour Jarno Trulli. Le leader de la course entre dans les stands. Il fait son premier arrêt au tour 8. Jenson Button emprunte l'allée des stands. Jenson Button emprunte l'allée des stands. Jacques Villeneuve emprunte maintenant l'allée des stands. Il effectue son premier arrêt au tour numéro 8. Jenson Button quitte les stands. Il va revenir à la sixième place. Voyons voir qui sont les 8 premiers. Fisichella occupe la première place. Nick Hedfeld le suit. Il est à 7 secondes. Massa occupe la troisième place. Il doit encore faire son premier arrêt au stand. Michael Schumacher, quatrième. À la cinquième place, après son premier arrêt au stand, on trouve Kimi Raikkonen. Montoya, sixième. Il est plus rapide que tous les autres pilotes. Septième, Button. Et Barrichello est huitième. J'aperçois les mécaniciens de chez Williams s'agiter dans les stands. Nick Hedfeld va passer par les stands dans ce tour. Les mécaniciens de chez Sauber sont sortis. Ils attendent une de leurs voitures. Ils doivent se préparer à recevoir Felipe Massa. Hedfeld s'apprête à faire son arrêt. Felipe Massa s'arrête au stand. Il fait son premier arrêt au tour 9. Nous en sommes au 10e tour.
Fisichella occupe la première place, Michael Schumacher est deuxième. Kimi Raikkonen n'a que 4 secondes de retard. Derrière son coéquipier, occupant la quatrième place, on trouve Juan Pablo Montoya. Button est cinquième, Barrichello est sixième, Alonso septième et Trulli huitième. Il entame une remontée sur la voiture qui le précède. Appuie sur le champignon. Michael Schumacher se rapproche de plus en plus. Il perd à peu près 8 dixièmes de seconde à chaque tour. Rubens Barrichello est en train de revenir sur Jenson Button. C'est le 12e tour. Fisichella occupe la première place. Michael Schumacher est deuxième. Il se laisse distancer. Raikkonen, troisième. Quatrième, Montoya. Jenson Button est à 3 secondes derrière. Barrichello est sixième. Alonso, septième. Et Trulli, huitième. On dirait que l'une des Sauber doit faire face à une panne de moteur. C'est Massa. La course de Felipe Massa est terminée. Nous sommes au tour 13. Fisichella occupe la première place. Il est maintenant le pilote le plus rapide sur ce circuit. Michael Schumacher est deuxième. À 5 secondes, on retrouve Kimi Raikkonen. Derrière son coéquipier, occupant la quatrième place, on trouve Juan Pablo Montoya. Button est cinquième. Barrichello est sixième. Alonso, septième. Et Trulli, huitième.
C'est le 14e tour. Fisichella occupe la première place. Il est maintenant le pilote le plus rapide sur ce circuit. Michael Schumacher est deuxième. À 5 secondes, on retrouve Kimi Raikkonen. Quatrième, Montoya. Button est cinquième. Barrichello est sixième. Alonso, septième. Et Trulli, huitième. Nous sommes au 16e tour. Fisichella occupe la première place. Michael Schumacher est deuxième. Raikkonen, troisième. Derrière son coéquipier, occupant la quatrième place, on trouve Juan Pablo Montoya. Button est cinquième. Barrichello est sixième. Alonso, septième. Jarno Trulli n'est qu'à 2 secondes. Tu vas devoir faire quelque chose. Tu as perdu 2 dixièmes de seconde sur la première portion. Jenson Button a levé le pied dans la troisième portion du circuit. Cette fois, il a perdu 2 dixièmes de seconde. Et voici que les pilotes en tête vont passer le drapeau à damier. Giancarlo Fisichella gagne la course. Il est suivi de près par Michael Schumacher qui arrive deuxième. Kimi Raikkonen remporte la troisième place.